and want to go to heaven anyway. Yo tout le monde, c'est Lit, j'espère que vous allez bien car pour ma part ça va plutôt bien les amis. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera très courte car suite à l'énième tweet de Rockstar, le 10e, le 11e, à ce sujet j'ai le regret de vous annoncer que GTA V sur PC est repoussé au 14 avril comme l'indique le communiqué du studio de production. Encore une bien mauvaise nouvelle qui refait bouger le monde du gaming et surtout les PCistes. Pour être un peu vulgaire les gars, franchement c'est un peu du foutage de gueule comme diraient certains sur les réseaux sociaux. En même temps, je suis d'accord avec eux, je suis en accord, c'est pas faux, car c'est quand même déjà le 3ème tweet ou 4ème décalage du jeu. Donc maintenant, autant ne plus s'affoler, moi je dis à un PCiste, préparez-vous-y, autant ne plus s'affoler et pourquoi pas s'attendre encore à un autre décalage avant le 14 avril. Encore une fois, comme j'ai dit dans une autre vidéo du genre, c'est vraiment pour perfectionner le jeu qu'il est reporté et avoir une expérience au summum et au meilleur de nos attentes. Chose que je comprends très bien car Rockstar North nous a déjà montré que c'est un studio vraiment très perfectionniste, même dans les jeux hors de la saga GTA. Même si c'est pour le bien des joueurs, encore une fois, le temps commence à paraître long, surtout quand on sait que les versions consoles sont sorties à un an et demi, ce qui fait quand même un gros wagon de retard. Je veux dire, on a eu le temps de bien visiter le jeu sur console, ça fait quand même vraiment très long pour attendre sur PC. Concernant cette info, c'est tout ce que j'avais à dire, et je voudrais rajouter, vu que les vidéos ont déjà été faites sur les chaînes de mes collègues, je voudrais quand même le rajouter, que la sortie des braquages sur console sera le 10 mars, donc c'est toujours sympa à savoir. Pour ma part, je suis vraiment pressé d'y être et de tester cette nouveauté qui viendra donner un coup de jeune au jeu. Ça nous permettra de redécouvrir un peu le jeu et d'innover, voilà, je trouve ça vraiment sympa. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, si celle-ci vous a plu, vous pouvez liker, commenter et surtout partager la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est très important pour moi, même si ça vous prend que 2 secondes, ça m'aide énormément à évoluer. Et pour suivre la suite de mon aventure qui sera remplie en délire, course, what the fuck, glitch, exclusivité, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, ciao les gamers.